arrivé ce matin au Cap, où on a vécu avec les enfants leur journée de départ en vacances, enfin, de milieu de vacances, leur fête d'école. On les a regardés danser. La prof de danse très dynamique d'ailleurs. On a même eu droit à nous à un petit cours privé à la fin, très très sympa. Voilà. Et puis on a pas pu s'empêcher de participer. On leur a fait quelques petits chants, on a dansé un petit peu, voilà, donc très très sympa, que du positif, les gens ont toujours le sourire, du coup nous aussi forcément. Et puis après, on a aussi, au moment du repas, on a pu discuter avec les sœurs de l'Arche de Marie, échange très intéressant, elles nous ont expliqué un petit peu sur quoi était basée leur congrégation, parce que la personne qui est à la base de leur congrégation vient de Poitiers aussi, de notre région, et on s'est aperçu qu'en fait, c'était quelqu'un de chez nous, mais qu'on connaissait pas vraiment. Et voilà, un petit temps de partage avec eux aussi en début d'après-midi. Et puis là, dans l'après-midi, sport avec les enfants, volley, hand, football. Très très bien. Et tes impressions de ces trois premiers jours ? Ah bah, que du positif. Enfin, très très riche. J'ai l'impression d'être là depuis très très longtemps, enfin plus d'une semaine. Alors qu'en fait, ça fait que quelques jours tellement les journées sont intenses. Et puis les choses assez diverses, enfin, on est totalement dépaysés, on fait des choses qu'en France je ne me serais pas vue faire du porte-à-porte pour aller prier avec des gens, et c'est une très très bonne expérience.